Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me rajouter sur mes réseaux sociaux. Donc là, vous voyez, donc là, vous faites hop, vous vous abonnez, tac, voilà. Donc vous faites pareil pour Snap, Insta et tout le reste. Donc voilà. Donc on se dit, je vous souhaite bonne vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Zombie apocalypse. You must be Crip's friend. I'll try not to hold that against you. My name's Maggie. Thanks for coming. She's back. Jesus, what are you doing? It's me. What the hell? I missed, didn't I? Don't come in like a bull through the fence next time, you old fool. Your friend here managed to get it right. Lightning Maggie Fike. We all thought you were dead. Yeah, so did I. Guess you'll be wanting a drink. Oh, come on, give me a hand. Biggest mistake of my life, not marrying this woman when I had the chance. Yeah, you always did have a colorful memory of things. Anyway, it's too late now. As you can see, I have gone and hit my prime. Well, I heard what happened with Hickson. Oh. Evil son of a bitch. Where you been all this time? Recovering. Lying low. Couldn't barely get out of bed for 6 months. And your nephew? Them. Still in jail, far as I know. You seen Danny Lee yet? Oh, yeah, I've seen him. Cooking for the Braithwaites now. Guess me and him were done. Well, there's always Marcel. Heard he's not working for Leclerc anymore. Feller's a windbag, but he knows his way around it still. Yeah, maybe. Feels like it'd be much easier for everyone if I just stayed gone. But life ain't about being easy. I am taking back what's mine. I need legs, though, and I need muscle. Oh, you'll get that one, this one, and more, I promise you. Two of us already got a nice little business going. Long as you know, won't be pretty. I don't do pretty no more. So, what's the buy-in? First things first, I need a cookhouse. What's wrong with this place? Been empty for a while now. No, I need a good basement. I reckon I could try and get one of my old spots back up and running. Bastards seized them all after the raid. You buy me back one of those, I reckon you'll have a fair enough investment. Teach you everything I know. So what you say? Believe me, nobody knows more about moonshine than Maggie. Listen to her. You'll make that back in no time. Come on, the two of you were made for each other. All right then, partners it is. You meet me back there when you can. We'll work out what else it is we need when we get set up. Can I offer you a ride, Miss Fike? Suppose so. Maybe we can stop for a drink on the way. We just had a drink. I know. Now I want another one. Some things don't change. Eh bien, salut à tous, c'est Zebra Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le DCR Théo, donc la distillerie clandestine. Donc on va aller là où ils nous ont dit d'y aller, acheter la petite propriété, qui est ici, hop, près de Saint-Denis. Si vous avez dit sur le camp, propriété de le genre pour changer l'emplacement de la distillerie clandestine. Ah, on peut changer l'emplacement, on se souvient, cool ça. Alors, tac. Bon, j'ai eu la flemme de monter, niveau marchand 5, hein. J'ai tout fait des coquilles directes comme ça. Tranquille. Ça fait du 30 lingots d'or. Hein. Heureusement que j'ai, grâce au premier passe par la loi, que j'ai eu accès, ça m'a fait du sous. Mais bon, il va falloir acheter le deuxième maintenant, qui vaut 40 lingots d'or quand même. C'est pas rien. Donc les vêtements, je vous serais allé les voir, hein, personnellement. Même s'il reste des sous au cas où, on sait jamais, hein. Mais bon, c'est chacun pour ses goûts, donc ça vaut pas le coup. Donc ce qu'on s'est contenté, c'est le scénario, enfin le rôle de distilleur d'alcool. Allez hop. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé. Je pense que les trois quarts qui jouent à RDO ont dû commencer s'ils ont les moyens. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ça va toujours être intéressant. Donc mon
par contre, vous aurez la vidéo du coup en retard, hein, parce que je voulais le faire en live. Quand j'ai vu que j'ai lancé sur GTA, ça n'a pas arrêté de ramer. Oui, je pense à cause du mauvais temps. Mais bon. J'essaierai pour les prochains. Voilà quoi, de voir ça, tester avant. C'est là-bas. Non, moi, je pense que c'est le baraque. Pokémon Alligator, ça serait sympa. Bon, c'est bon. Mais bon, il y a des joueurs à remonter. Ah, mais sur ça, je compte là pour entrer dans la distribution d'alcool. Ok. Entrée. Donc ça y est, on peut enfin acheter les propriétés, ça commence hein, officiellement. Donc ça faisait longtemps qu'on attendait ça quand même. Hein. Voilà Maggie pour lancer la préparation d'un district clandestine. Prévoyez-vous qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps. Sauver le brûleur, trouver un matériel. Okay, on va trouver le matos, écoute. We're gonna need supplies and equipment. So we can set up the still and get started with production. Goodbye, all this, of course, but why would we do that when we can just borrow it? Ah ouais, on va l'emprunter. Late from some of the other moonshiners around here and kill two birds with one stone. Time to show these folks that Maggie's back. Back for good. On va aller chercher le matériel. On veut de la bibine, nous, hein. Je me demande s'ils font ça, on va faire de la Cronenbourg. Le mec qui se croit au 21e siècle alors qu'on est au Far West, quoi. À l'époque du Far West. Distillation clandestine. Je vais avoir du mal à le retenir, ce mot. Enfin, l'épeler des fois, donc désolé. Ah, j'espère pas que c'est un autre joueur qu'il faut le piquer. Non. Ah non, c'est bon. Ouf, j'ai eu peur. Hop. Couteau. J'ai de la chatte, je croyais qu'il était à l'intérieur moi. Allez, on s'arrache. Ah, c'était pas loin. Hein. Merci pour le matos. Il fait la plus grosse carte que ça. Hein. Bon, attends. Survivant. Allez hop, on ramène ça. Après, espérons qu'il n'y ait pas trop de bugs parce que, comme je vois déjà sur GTA, il y en a un peu. Ah, après, je sais pas. Enfin, il me semble, oui, il y avait quelques bugs. Depuis que le DLC sur Barricade Casino est sorti. Alors, est-ce que ça va être pareil? Il y aura peut-être un petit peu de bugs. Chier, un mal explosif, hein. Merde, on n'a pas le temps. On n'a pas le time.
Allez, accélère. Des raccourcis, hein. Enfin, c'est chiant, ça il devrait le faire. Ça. Bon, ça on est presque arrivé déjà. Allez, à la niche, les enfants. Molly, c'est pas de votre âge. Ils auraient pu faire quand même accélérer un peu plus les chevaux parce que c'est quand même pas très rapide. Un peu chiant. Les chevaux un peu plus rapides, t'aurais été mieux. Ah, bon, y a du monde encore devant. Bon, on va accélérer un peu avant. Oh, j'ai fait une doublée, je crois. Non, même pas. C'est des gens pour vivants. Voilà. C'est passé par là, non, c'est par là qu'il va passer, merde. Je suis tellement concentré à buter que du coup je peux me rouler. C'était pas si loin tout à l'heure. On est parti. Oh, j'ai même plus la foule. Oh là, ça. Quoi que j'ai perdu l'habitude. Hein. Je pensais que c'était pas si long que ça. Hein. Bon, si on est arrivé. On est arrivé. Je crois. Hein. Oh oui, normalement, il me semble. Allez, accélère. Crase l'autre, on s'en fout. Super, parfait. Ça va, pas trop compliqué. Clandestin, plus on gagne de l'XP pour le métier. Bon, on va enchaîner avec la deuxième mission. Je crois qu'il y en avait une deuxième, il me semble. Voilà, sauver le brûleur. Un brouilleur. Since Danny Lee's sold his soul to the Bracelets, we've been courting a fellow called Marcel. Friendly Cripps used to work as a chef for Jessica LeClaire, but he comes from a long line of French distillers. Seems to know what he's doing. Problem is, another alpha got wind of this and grabbed him. So, let's see some of that muscle Cripps promised me. T'inquiète pas, j'en ai des muscles. Enfin, mon personnage a des muscles, ça c'est sûr. Il a des muscles, moi je dis. C'est Hulk, mon personnage. Le mec qui s'appelle pas trop avec son personnage moche et tout. Allez, allez, accélère. Sauvez Marcel. Mais il est où Marcel? Ils auraient pu mettre un peu mieux quand même comme nom. Ceux qui s'appellent Marcel. Ah bah ça va, c'est tranquille. Ah merde. Pourquoi je me suis fait repérer?
d'accord. C'est charognard. Ah, en plus la dynamite, ça rapporte la dynamite. Bouge. Clé d'or. J'espère que tu vas te laver les mains. C'est le bouquet de ceinture en tout cas. Hop. Y'a rien. Si, regardez, regardons. Y'a dedans, c'est rien, c'est rien. Des coffres. Peut-être vides. Ouais, celui-là est vide. Non, je vais garder mon chapeau. Ils sont moches leurs chapeaux. Redonne mon chapeau. Un autre coffre. Qui est vide. Putain, ils comptaient faire quoi là avec ça? Les chihuahuas. Attends, il y a encore quelque chose là. Encore un coffre. Ah, là il y a une bouteille. Et un fortifiant. Voilà. Ça sert toujours, hein. Fouiller, hein. Surtout sur RDO, ça sert, hein. Quand vous voyez tout, que tout est cher, bien. Allez, monte, Empire. Monte, Marcel. Monte sur le dada. J'en arrache. Garde mon arme avec moi. J'ai pas le chemin, ça sert à rien. Perdre du temps pour rien, c'est bête. Ah, Bambi. Mais. Qui tu me fais là? Saute! Putain, t'as un cheval ou t'es pas un cheval? Je savais que si quelqu'un venait pour moi, ce serait Madame Faker. Tu connais elle bien? She and I have a history, you could say. Ah bah c'est sûr. Well, a friend of hers is a friend of mine. If Madame Faker tells something about me before she asks you to save my life, allow me to introduce myself. I am Marcel. I was until recently employed by a lady named Madame Leclerc. Ouais, je fouille pas parce que chef, j'ai pas le temps. Until I was kidnapped. Okay, j'ai un mec, je crois qu'il crève, hein. They wanted me for my skills as a brasseur. What who makes a lot of me? Moonshine, yes? Wait a minute. I thought you looked familiar. You came to visit Madame Leclerc once with Orly, yes? You look different now. Your situation has improved, no? Avance. I wish I could say the same for myself. Putain, roche de merde. Hop. Comment ça va en arriver? Bon, ça va, hein, les missions sont pas trop difficiles en soi. Hein. Bon, après, attendez, on commence juste la préparation. Hein. One of Madame Faker's old hideaways, I see. I have. Et voilà, Marcel a été déposé. Allez, on va boire un coup, Marcel. Il y a avec Marcel dans. C'est pas sorcier. Il est où, Jamie? I am happy to say. We are officially in business. Oh, l'état. Allez-y, I will show you the engine room. Quel horrible. Thank you for your interventions the other day. I was turning into a rather unpleasant experience. Il y a plus de bouffe que d'alcool. So here we are. Nice. Ah, d'accord, c'est caché. Ah. Obvious reasons, hein? There she is. Our still a beauty, hein? Since I've been told that you are new in the business, I was thinking you might need some friendly mentorship. Illicit distillation is a very unique pursuit. Ah, but what is most important are the ingredients for the mash. The more successful a business is, the better the price we can negotiate for those ingredients. Just as we will, the more unsuccessful our competitors are. But that side of things is more the area of expertise of Madame Fike. Anyway, some of our buyers are very exacting when it comes to tastes and flavors. So we will need to adjust
our recipes to the demand over time. Attention! Stronger alcohol sells for more, as you can imagine. But it also takes longer to produce. So ouais, that is something else we will need to balance, hein? Well, that's enough for now. Let's get to work. I have a feeling you are going to learn fast. En même temps, c'est un peu toujours la même mécanique, donc on connaît, hein. Plus c'est cher, plus ça se vend cher, plus il faut attendre. Ou plus il faut faire de choses. Hop. J'ai pas pris un niveau, putain, avec les XP. Alors, progression, attendez. Roll. Punaise. Je pense avoir, au moins avoir pris un niveau. Oui, bon, il va aller récupérer plus tard tes colis. Hein. Mais non, mais je vais pas me reposer. Il est pète, ce joueur. Je vais rentrer, moi. Voilà. Ah, l'ordre des fous, ça fait longtemps. Mais on fera ça dans une autre vidéo. Alors, à cette émission de promotion, le sang est plus épais que la gnoule. L'industrie grosienne est maintenant prête. Parler à Marcel pour commencer à produire de l'alcool de contrebande ou parler à Maggie pour réduire les coûts de production. Bon, on va commencer la... Moi, je vais commencer l'alcool, moi. C'est où la descente? Où qu'on descend? Maggie, c'est où qu'on descend? Oh, merde. Ah, c'est là. D'accord, tant que je me repère, hein. Vous l'avez vu vous-même, de toute façon, j'ai dû l'acheter, donc je connais pas forcément. Voilà. Très grand pour un mot. Atelier de distillation. Oh, bien, we begin. Récupérer la récompense, ouais. This will be sin soup. Valeur 75$. Ajouter arôme. Yes, this is a good flavor. Now all it needs is some time. Ouais. Ajouter arôme. You are changing the flavor for this batch. We must be patient. Ouais, c'est tout, je crois. On va faire l'écart de jouvence. Ah, c'est bon, on a tout fait, je crois. If you wish to buy some ingredients for the mash, the price is not so bad. Ça en haut après. Bon, on va aller voir Maggie, on va faire la mission. A bientôt. A bientôt, oui. Bon. Attends pas longtemps, hein, parce que je vais essayer de le faire un peu plus que l'autre quand même. Ah Maggie. Bon allez, le sang est plus épais que la gnoule. Alright, I got a lead on my nephew Lem. He's been in county jail since the raid, but I got word he's about to be moved to high security. Ah oui, on va devoir, je crois, on va devoir le faire évader. Interesting timing, wouldn't you say? Just as I get off my deathbed. Still, probably our only chance to get him out. The reason I heard is the law is moving another feller down to Sissica tomorrow. Weasley money launderer by the name of Stan Reardon, and we'll be transferring him onto Lem's convoy at some point on the route. I digress. I don't give a damn about Reardon, but if you can track down those lawmen, find out where the transfer's taking place, hopefully you can get the jump on them. Just stay sharp. You did good with Marcel. Get me Lem too, you'll be well on your way to proving yourself. Avec son œil de verre. Alors je sais pas si c'est un œil de verre, du coup. À cette époque, je sais pas si ça se faisait déjà. Allez, change les mains. Alors, on va envoyer un petit chargement. Bon, ça va, je crois qu'il est rapide. Non, je sais pas si ça va être rapide, j'espère. Ça va pas trop longtemps, non, quand même. Moi,
Moi j'aurais fait éviter évader direct moi. Ça est plus épais que la gnôle. Ah, c'est bien au moins ça nous fait. On n'a pas besoin de faire tout le chemin, ça nous emmène pratiquement près limite. C'est bien ça. Si seulement on avait ça aussi dans GTA, ça serait tellement mieux. Parce que des fois, vous voyez, quand on a 9 km à faire, on est tout en bas de la map. On doit faire, on doit remonter tout en haut. C'est un peu chiant. Fouiller le camp à la recherche du document. Mais on peut tuer ou faut juste fouiner sans se faire opérer? Moi, c'est pas de se faire opérer parce que couillon, il y a du monde. Hein. Chopper, chopper! J'aurais rien foutu de ton temps de merde. Bon, il a bouffé son teint, il m'emmerde. Ah oui, mais je suis con. Pff, je risque pas de l'ouvrir. Voilà. Alors, où c'est? C'est là-bas. Thank you.
je peux rien vous me soigner. Shit. Je suis parti ici avec les trois. Je suis tout dépensé, ne veux pas. Enfin, un vêtement. Bon, ça va, ça gère alors. Allez, on avance. Sur GTA, hein, je vous la fais. Parce que ça vaut pas le coup trop de vous faire voir toutes les prépares, après ça vous gâcherait tout. Hein. D'accord. Avec d'un coup il se met accroupi. Mais bon. Donc ouais, je vous ferai la vidéo du braquage. Donc moi j'ai pris la façon en approche directe. Hein. Donc on rentre dans le tas. Direct. Puis j'essaierai de vous faire les deux autres plus vite aussi. Attendre. Il y a pas mal de choses parce que si j'ai besoin de toi quand on va se barrer, ils arrivent. Faut que je chante, faut que je descende. Hop. Oh, Maggie, she is alive. Allez, monte. Oh, allez, on s'en fout. God, am I glad monte. To see you. Move in, man. Take them down. No, it's revenue men. Bastards must have been tailing us. What the hell? Et monte.
God. Mais non, c'était normal. Faut que je confirme encore l'identité, dommage. What are we waiting for? Let's get out of here. What the hell? I'm ready. Let's go. Alors. Ah, charmé, mais on peut super. Encore. C'est chiant, ça aussi. Les gens m'appellent en même temps. Sure wasn't how I thought today was gonna turn out. J'ai pas besoin d'être dérangé. C'est sympa. Toujours quand je tourne en vidéo, il y a toujours quelqu'un pour m'appeler de toute façon. Jamais quand je suis en train de rien faire. C'est rare quand je fais rien parce que je suis toujours occupé. Ah, puis de te libérer, c'est une dure à cuire. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Elle s'en est en Amérique. Couldn't get off the back foot. Kept moving from place to place, but it was only a matter of time before he caught up with us at one of the cookhouses. Still makes me shiver just remembering it. They trussed her up, blew up the still, and threw her inside there to fry. I couldn't do nothing but watch as they held me back. The flames just kept getting higher. Whole place started caving in. I swear, it's the only time I've ever seen Hickson smile. Burning a woman alive. I don't care. Probably got a medal for it, too. The last thing I see is they're dragging me away. Danny Lee, hiding in the trees, just looking on me. In jail, I heard they tried for months to hunt him down. But he must have found some protection. He did have a knack of slithering his way into holes, that snake. Ouais, d'où pourquoi maintenant la cicatrice sur le visage. Quand même. C'est une belle histoire. Hein. Une belle histoire d'amour comme on connaît peu. Ah. Mais bon. Pardon, je suis en remis, hein. Le mec va tout le dire, toujours vous le dire. Ah oui, mais. Ah, mais c'est chiant. Bon. J'ai un traitement, mais bon. Je t'ai pris, mais. Allez. Je serais peut-être pas à ramener comme ça. Ça va le ramener automatiquement. Oui. Hey, Maggie! You're late. Hey, Maggie, I can't believe it. I don't die so easy. I didn't know if you were. I know. But we're here now. And I am gonna make it right. All of it. Lem, mon ami! Are you okay? Marcel. Oui, c'est moi. What are you doing here? Oh, how charming. Lots changed, Lem. Can I get you some soup or perhaps something stronger, huh? Marcel, put him in my room for now. But of course. Come on, then. Miss this old place. Get some sleep. We got a lot of catching up to do. Thank you for this. He's a dope sometimes, but he has all I got. Go down and grab yourself a drink. Make sure you get an extra cut out of my side of the business. You've earned it. What are you waiting for? Bah, y'a t'as rien, tu touches une part, attends. Hein. C'est comme moi qui investis, hein. Attends, non. Je travaille pas gratos, moi. Les services sont payants. Hein. Boire un verre. Alors. Au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ah ouais, d'accord. Réaliser son acheteur. Ajouter un arôme. Ah, a new flavor. It will take some time.
acheteur. Ouais, ok. Bon, je comprends pas trop encore. Choisissez à partir d'une liste d'acheteurs potentiels ceux qui ont demandé votre arôme d'alcool de contrebande. Les acheteurs changent tous les deux jours. Alors, le mood est nécessaire pour lancer la pré-production. Plus vous choisissez un alcool fort, plus le temps de confection sera long. D'accord. Ah, j'ai plus rien à faire. Hein. Enfin, j'ai plus rien à faire en bas. Faut que je monte en haut maintenant. Continuer l'émission. Par là. Oui, c'est ça. La boutique de distillateur. Ah. Article extension. Ajouter un bar. Ah. Ouh. Ah, par contre, ça pique. Engager des musiciens. Bon, ça, ce sera gratuit. Renseigne des distilleurs clandestins requis. Ok. Bon, on regarde d'abord. C'est quoi le thème du bar? Ouais, mais je l'ai pas encore. Amélioration du matériel. Bon. Un peu pas encore. Photographie. Un peu pas encore. Un gratuit. Ah, il faut un bar. Ah, c'est bien, on en a de gratuit au moins. Putain, 200 balles. 200 balles, un tableau de merde. Ah, je prendrais l'ours. Ou le loup. Je prendrais le loup, je pense. De toute façon, si on peut prendre les 3, je prends. Enfin, les 3 ou les 4, j'ai pas fait gaffe combien il y en avait. Celle de la contrebande. Alors, acheter preuve de fabriquer de l'alcool de contrebande toxique. Ouais, voilà un code d'or. Combien? 500 balles. Créer un nuage de vapeur. Acheter le maximum 40 lingots. Oui, vas-y. Enfin, 40 dollars. Oui, vas-y. Ça en aura la recette, hein. Putain, par contre, le bar, il claque, mais il fait mal au portefeuille. Punaise. Allez, vas-y. Attends, qu'il soit bien rentabilisé, hein, mon bar. Hein. Vous avez appris la dame... Vous avez appris la dame pompette. La danse pompette. Ah. J'ai mal compris. Et où le bar? Je veux un bar. Vous avez pris? Attends, son père, on s'en fout. Ah, j'ai débloqué la récompense. Dépenser de l'argent dans les boutiques. Ah, cool. Niveau 5, niveau 10. Gagner les 100 pupilles d'or. Bon, bah, ça, après, on peut pas avoir d'autres. Hein. Ça, c'est pas encore plein. Les 4 lingots d'or, waouh, je me suis réveillé en 2 secondes, super. Ah oui, attendez, attendez. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Extension, ok. Ouais, pour prendre ça, ça sera gratuit, heureusement. Ouais, il y a intérêt, attends. Le bar, il m'a mis une claque, hein. Il a mis une grosse claque dans la gueule, plus le schéma. Enfin, peut-être pas dû l'acheter tout de suite, le schéma. On va se refaire, comme on dirait. Comme je dirais. Allez, hop, on s'arrache. Meginok, une mission de distilleur scénarisée à vous proposer, revenez plus tard. Bah si, il y en a une. Ah, c'était la mission de promo. Ah, c'est long. Bon, bah, je pense que pour le moment, ça va être bon. Hein. Déjà, on aura vu pas mal de choses. Bon, voilà. Ah, attendez, on va aller voir des fois en bas s'il y a d'autres choses. Hein. Je crois que la le schéma, c'est pour nous rendre dehors, après. Ça, c'est dégueulasse, c'est toi qui fais le truc, mais tu dois payer ton schéma de merde. Ouais, bon, là, y'a rien à faire. Allez, on s'arrache. 8 bouteilles sur 20, ça va. Bon, voilà. Bon, sur ce, si vous avez aimé le DLC, hein, dites-moi dans les commentaires, hein, donnez-moi votre avis, donc les points forts comme les points bas. Moi, personnellement, bon, c'est bien, mais bon, après, c'est toujours... Bon, ça, c'est toujours un peu excessif au niveau des prix. Bon, après, voilà. Sinon, ça serait trop facile à finir. Hein. Enfin, à compléter. Et puis, bah, ça serait, voilà. Et, après, bon, pour mon point, bah, c'est bien. Parce que
clandestin, on a enfin un nouvel appartement, enfin une propriété à nous, quoi. On peut enfin vivre sous un toit, j'ai envie de dire, limite. Donc voilà. Bon, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir et pouvoir me suivre dans les prochains épisodes. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.